Pour sélectionner puis copier-coller du texte sur votre iPhone, ouvrez Safari par exemple, trouvez le texte que vous voulez copier et pour le sélectionner, donc on va appuyer quelques secondes au début du paragraphe pour voir apparaître deux petits curseurs bleus. Donc ces petits curseurs vont encadrer le texte que vous allez par la suite pouvoir copier et coller. Donc le premier curseur à gauche, le petit curseur bleu là, il est bien positionné. Je vais appuyer sur le second et le faire descendre en bas du paragraphe. Une fois que ma sélection est faite, je peux faire copier, retourner à mon écran d'accueil, puis par exemple aller dans Notes, créer une nouvelle note en appuyant en bas à droite. Et là, pour coller le texte que j'ai sélectionné, je vais à nouveau appuyer quelques secondes au niveau du point d'insertion et je vais faire coller. Je valide ma note en appuyant sur OK. Si par la suite, je souhaite récupérer ce paragraphe, je peux utiliser la fonction tout sélectionner. Donc je rouvre ma note. J'appuie sur l'un des mots, peu importe, pour voir apparaître le clavier, puis je maintiens un appui. Là, je peux faire tout sélectionner et mon paragraphe entier est sélectionné, je n'ai pas besoin d'utiliser les petits curseurs. À bientôt!